Bonjour à tous, ici Nicolas Chalier pour Deménagerson.com. Je suis très heureux de vous retrouver ici donc au studio d'Avou à Paris. Je vais rencontrer dans quelques minutes donc Jean-Loup Morette qui est l'ingénieur du son maison ici depuis plus de 35 ans. Il va nous parler un petit peu donc de son travail ici, on va faire un petit peu l'historique donc des studios d'Avou. Donc vous allez apprendre bien sûr que les studios d'Avou vont s'arrêter ici donc pour ces lieux, ils vont continuer, donc Jean-Loup va nous expliquer un petit peu tout ça. On va parler un petit peu technique, il va nous expliquer un petit peu sa philosophie de travail, comment il travaille, comment il aborde les projets, etc. En tant qu'ingénieur du son ici dans ces lieux magnifiques qu'on va découvrir ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Jean-Loup, merci de m'accueillir ici à Davout. Ouais, bonjour. Ça va bien ? Impeccable. Impeccable ? Bon. Quand je suis ici, ça va toujours bien. Oui, ah ben oui. Hein ? Ici, je pense que tu es bien loti dans une belle maison. grande maison. Grande maison. Vieille aussi, grande, mais vieille. Ben vieille, oui, parce qu'on en parlait un petit peu hors caméra. On parlait de Richard Berland qui est arrivé là en 65. Alors, c'est ça, c'est le fondateur des studios Davout, mais qui lui avait déjà bourlingué au moins une bonne dizaine d'années avant. Ouais. Il avait fait un petit peu de jazz, enfin, il était bien branché dans le jazz surtout, mais bon, il a travaillé sur Europa Sonore, et en fait, il faisait beaucoup de variétés, c'était ouais. Quand même la pleine période des yéyés. Ouais. En fait, quand il raconte ça, c'est assez drôle, parce que ouais, bah, oui. Travaillait, ça n'arrêtait pas. Les débuts de Sheila, je ne sais plus les artistes qui ont traversé un petit peu toutes ces périodes. Et en fait, il s'était intéressé à la musique de film, et donc il est cherché à un endroit pour accueillir des orchestres de environ 80, enfin 50 à 80 personnes. Et à l'époque, en tous les cas dans les années 65, puisque c'était le début d'ici, jusque dans les années 60, ça n'existait pas. Ouais. Il n'y avait que plein d'endroits, mais il y avait plein comme... Oui, voilà, il n'y avait que Barclay à l'époque, il y avait ses studios. Ouais, et donc, quand il a trouvé cet endroit ici, c'était le plus grand studio... au moins de France, en tous les cas, ouais. C'était l'endroit. Oui, c'était un truc. Oui. Ah ouais, c'était vraiment. Moi, j'ai vu dans mes recherches, voilà, c'est un ancien cinéma ici. Ouais, bah, l'ancien cinéma, le Davout. D'accord. Le Davout Palace, même, peut-être, ouais. D'ailleurs. Donc, il est arrivé. Ouais, quand ils sont arrivés, il y avait encore tous les sièges et voilà, tout. Donc on est. Quand ils t'expliquent qu'ils ont tout démonté à la main, un par un, monté les murs, enfin, vraiment. On voit effectivement, voilà, quand ils cherchent du volume, on voit le studio A, donc le grand plateau. Ouais. Donc, il fait 300 mètres carrés, c'est ça ? C'est ça, et 9 mètres de hauteur de plafond. 9 mètres de hauteur, voilà. Alors, c'est un petit peu comme il y a une voûte, hein. Ouais. C'est 6 sur les côtés et 9 en haut. Donc, quand on est là-dedans, n'importe quel type de prise de son. Ah, franchement, que ce soit un orchestre ou une batterie, voilà. C'est top. C'est ah, oui, oui. Si on se retrouve avec un son de live, un son de concert. Un son de concert rock, ouais. Comme un son de concert classique, c'est exactement. C'est ça, on peut vraiment tout faire. Après, bien sûr, on peut moduler. Voilà, bah avec des paravents. Voilà, comme ça se faisait à l'époque. Il n'y avait quasiment pas beaucoup de cabines d'isolation. Donc lui, c'est pareil. Il était un des premiers à avoir fait des petites niches qui se fermaient. Donc il y avait vraiment possibilité d'isoler la rythmique. Ouais. Parce que l'idée, c'était quand même dans les années 65 jusqu'à ce que même quand je suis arrivé dans les années 80. On a qu'à dire que jusqu'à fin 80, les orchestres, ça se faisait quasiment... Il y avait basse, batterie, guitare, clavier, les 20, 30, 40 cordes, éventuellement des chœurs. Et j'ai même fait en tant qu'ingé une séance où j'avais la rythmique. Et puis, c'est une séance où il y avait Trenet. Et j'ai enregistré Trenet en direct. Ouais. Je te raconte pas comment c'est chaud. La question, on avait deux, trois pistes, on faisait l'orchestre et la voix à part, c'est ça. Au tout début, je te parle. Au tout début, voilà. Effectivement, quand ils avaient commencé, ils s'étaient débrouillés pour avoir entre fabriquer et acheter, je sais pas trop ce qu'ils avaient fait. En fait, ils avaient un trois pistes. Ouais. Et du coup, ils pouvaient faire le matin l'orchestre et l'après-midi et la voix. Et alors là, évidemment, t'imagines, c'était quand même. Sinon, la solution, c'était de faire comme ça se faisait du son sur son. Mais ça se faisait avec deux magnétos, donc on avait enregistré la musique, et après, il y avait un magnétophone qui lisait pendant ce temps-là, voilà, on enregistrait la voix en plus, et après, il fallait faire des montages qui n'en finissaient plus. Sacré boulot, ouais, c'est clair. Donc c'était surtout, Non, quand le multipiste est arrivé, à partir du 3, de toute manière, c'est passé du 3 au 4, du 4 au 8, du 8 au 16, oui, après, du 16 au 24, voilà. Et c'est arrêté au 32 analogique, et après, c'est devenu numérique. Donc après, tout a évolué, on parle des magnétos, mais bien sûr, après les consoles, pareil. Les consoles, surtout les consoles. Alors, bon, ça, c'est
vraiment presque la console ultime, dans la mesure où après, même si on décline, mais au niveau de la conception, c'est-à-dire qu'au départ, les consoles, elles étaient surtout ce qu'on appelait split. C'est-à-dire, il y avait une partie, ce que je vais dire mixette, c'est pas très sympa, mais les préamplis, on faisait des niveaux, et ça partait vers un micro stéréo ou un micro multipiste, mais ça changeait pas grand-chose. Et on avait après une autre petite console, une autre mixette, et là, on récupérait soit de 2 à 4 ou 6 ou 8 ou 16, bon, jusqu'à 24, et c'était une autre console qui servait à faire le monitoring. Donc, on avait deux choses complètement distinctes, d'accord ? Et quand sont arrivés ce genre de console inline, alors là, c'était quand même... On est tous sur le même potard et on pouvait... Voilà, et du coup, on pouvait utiliser un petit peu tout dans tous les sens, combiner tout dans tous les sens. Et alors là, quand les SSL 4000, toute la série est arrivée, là, c'était vraiment... Voilà, ça réduisait la taille, surtout. C'est ça qui était sympa, quoi. Avec celle-là, d'autant plus que y avait relativement peu d'outboard un peu à l'époque, hein, dans les années 60, ils devaient avoir 3 pool tech et 2 compresseurs, comme on peut voir là, mais en fait, il y avait assez peu d'outboard, hein. Et tout se faisait. Je l'ai dit, il y avait peu de micros, peu de pistes, donc ça tombait bien. Oui, bah oui. C'est clair. Et après, quand on est tombé dans l'intérêt de ce genre de console, c'est qu'on a, a priori, on a tout sous la main. On a la partie dynamique, la partie EQ qui est quand même bien complète, et les départs verts des effets. Et puis après, tout le système de télécommande, le système de... Alors c'est pareil, il y avait l'autolocator. Moi, j'ai commencé au studio, c'était moi l'autolocator. Et oui, bien sûr, la question se posait même pas. D'accord, la télécommande, c'était vas-y, on drop sur l'enfant. Ouais. Donc toi, t'es là, tu vas être un compteur qui glisse en plus, parce qu'après, t'as repéré 2,32, mais au bout de 20 passages, c'est plus 2,32, c'est 2,35. Donc t'as quand même intérêt à plus écouter que regarder le compteur. Donc c'était quand même. Donc là, tu arrives, tu as une bande, sur la bande, tu mets du time code. Ouais. Donc 2,32, c'est 2,32 jusqu'à ce que la bande elle se détruise, tu vois. Donc ça change quand même. Puis après, tu te retrouvais un petit peu seul. Oui, bah oui. Bon, il y avait les assistants, mais du coup, tu étais un petit peu seul pour faire les fameux drops. Ouais. Le drop, c'était tout quand même. Le drop, c'était presque. À la limite, on pouvait considérer que tu devenais un. Bon, j'exagère un petit peu, mais tu étais un G quand tu arrivais à faire les drops. Ouais, c'est ça. Bon moment, en mesure et tout, voilà. Sinon, tu te faisais jeter. Si c'est voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même le baptême du feu. Quand tu étais assistant, tu étais là pour brancher, pour aller chercher un peu le va-chercher, entre guillemets, déjà pour voir ce qui se passe et comprendre et essayer de devancer un tout petit peu la demande. C'était pas toujours si évident. Ouais. Mais le passage ultime, c'était qu'au moment donné, on disait écoute, assieds-toi là, puis fais les drops Le pire de drop, à dropper, c'était la voix, parce que autant la guitare, on pouvait se permettre, j'exagère un peu, mais de se louper un peu, parce que bon, le guitariste, bon, c'est bon, il refait, mais la voix, c'était c'est le truc ultime, ça reste. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Alors c'est vrai que bon, le Pro Tools ou tous ces logiciels démystifient un petit peu tout ça, mais toujours est-il que même avec le Pro Tools, si tu peux faire entre guillemets à l'ancienne. C'est quand même plus rapide que d'être là à sélectionner, pas savoir où c'est. Si tu arrives, tu fais « on y va » et tu fais « rec » et que ça va. C'est quand même plus pratique. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'une fois que tu as fait ton drop, tu as fait donc un clip, c'est un peu comme ça se faisait. C'est sûr que oui, c'est bien. Dès qu'on a eu les magnétos numériques, c'était un petit peu on faisait d'abord et après, on refaisait de manière un peu automatique. Ouais. Donc là, on peut reproduire avec le Pro Tools ce genre de situation. Un peu plus facilement. D'accord. Donc, toi, ton parcours, donc tu disais début des années 80, je me suis renseigné sur toi. Tu es arrivé en 81, j'ai vu. Ouais. 81, donc on peut dire que tu es là depuis. 35, ouais. J'avais un an, vous imaginez. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, quand je vois les stagiaires aujourd'hui. T'as vu le monde audio évoluer. Parce que c'est vrai que Davout a toujours été à la pointe de la technologie. Alors, pour le coup, c'est vrai que j'ai eu un paquet de bol. Alors, d'avoir pu utiliser, quand je suis arrivé, les consoles, c'était encore une vieille console, peu de briquet de broc, split, justement. Un petit peu fait maison, comme on le disait, un petit peu hors caméra, pareil. Ici, c'était vraiment le concept de fabriquer le matériel. Un petit peu sale, quand même, ouais. Dans le B, c'était une peu... Pas dans le B, qui était... L'ancien B, voilà. L'ancien voilà. B. Ça, Donc, c'était toute petite console qui... Mais du coup, effectivement, c'était donc les 24 pistes partout. Ouais. Et ça a commencé avec deux à certains endroits pour mixer.
Donc ça, c'était un peu l'étape. Une des premières étapes, c'était de coller deux magnétos côte à côte. Donc de 24, on passait à 48. Alors c'était tout un programme pour pouvoir utiliser la bande esclave. Donc on faisait des réductions de la batterie. L'idée, c'était de, puisqu'on avait rempli les 24 pistes, enfin, ou pas tout à fait, justement, il fallait s'arrêter un poil avant, et qu'on allait faire des voix, des solos, et ben quoi. Donc il fallait 5, 6 ou 10 pistes de plus. Ce qui me paraît 10 pistes, ça me paraît ridicule aujourd'hui. Mais quand on en avait 2 ou 3, on était quand même très contents, parce qu'on pouvait passer de l'une à l'autre. Donc alors, où la batterie, imagine, tu commences toujours par faire tes rythmiques, ta batterie, tu prends 8 ou 10 pistes, et une fois que tu as tout enregistré, là, tu commençais à pouvoir traquer. Donc, tu avais les tomes séparés et à l'arrivée, tu mélangeais la batterie. La batterie, c'était 4, 5 pistes maximum quand tu allais mixer. Donc, au fur et à mesure que tu enregistrais de nouvelles choses, en fait, tu mixais les précédentes. Hein. Ouais. À un moment donné, tu ne pouvais pas non plus tout réduire en stéréo. Donc, tu remplissais sur une autre machine et tu repartais pour faire des pistes de la voix lead. Alors, la voix lead, tu avais besoin de 2 ou 3 pistes pour faire des composites. Et puis tu faisais les chœurs, enfin tout ça. Donc, et après, tu te retrouvais avec 2 magnétos. Dès que tu faisais play, t'as l'autre qui partait un peu après. Quand tu rebobinais, c'était un peu. Il fallait bien synchro. C'était quand même un bien préparé avant, évidemment. C'était un peu longuet de mixer avec 2 magnétos. Enfin, tout à l'heure, tu commençais la rythmique sur un et les voix et tout ça sur l'autre. Donc, quand tu mixais, tu mixais ta rythmique. Ouais. Donc, tu avais besoin que d'une machine, t'accrochais l'autre qu'au dernier moment. Ouais. C'était bien, bien casse-pied de faire tourner ces 2 trucs. Et est arrivé le numérique, et là, enfin, les magnétos 24 pistes numériques, mais là, on pouvait en accrocher 2, 3, 4. Et là, il n'y avait quasiment plus de décalage, enfin, pas de décalage, mais c'est instantané. Tout devenait instantané, ça, c'était quand même un peu mieux. Ouais. Et puis après, bon. Après, Pro Tools, les consoles ont suivi, et Pro Tools, et ainsi de suite. Hein. Ouais. Mais ce qu'on a toujours gardé des consoles analogiques, malgré le fait qu'on ait des Pro Tools, pour le coup, dernière génération pour l'instant. Voilà, c'est vrai que oui, ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les studios anciennes générations, c'est qu'on est quand même resté attaché à ce côté un petit peu analogique. La console analogique, alors. C'est vrai que ça fait un monde un peu bizarre, puisqu'on se retrouve avec quand même des choses qui sont numérisées et qui sont... on est obligé d'y passer. On est loin. Mais en tous les cas, c'est pas le son de la bande. Ouais. Même si, alors, on peut perdre des choses par rapport à... Mais on en gagne d'autres aussi, parce qu'on gagne des facilités, ne serait-ce que le montage. Oui, ça c'est sûr. Parce que bon, quand même, je me suis farci un bon paquet de montage en analogique. Ouais, je le crois. Rien que par rapport à ça, le Pro Tools, moi je suis ravi. Hein. Oui. Oui, il y a quand même une évolution indéniable. Voilà. Au-delà du son, même si bon, au niveau convertisseur, quand même, on a quand même ça beaucoup évolué. Mais si on se met à comparer des choses comparables, il faudrait se remettre dans l'échelle de prix de ce que coûtait une machine 24 pistes analogique. Ça devait coûter probablement dans les 200 à 300 000 francs. Donc, et voir ce que coûte aujourd'hui un Pro Tools. Et il faudrait dépenser sensiblement autant pour avoir la même qualité. Peu importe le son, la compression, tout ce qu'on peut raconter. Et il faut se remettre... Faut quand même imaginer qu'un Pro Tools qui va nous coûter que 500 euros, ça peut pas avoir le son. Ah, bien d'accord. Enfin, je parle. Alors, il y a plein de paramètres. Le Pro Tools, c'est pas tant le logiciel que la conversion. Ouais. Donc, si on veut se remettre, si on veut avoir un son d'époque ou un son typé ou un son d'une certaine qualité, aujourd'hui aussi, il faut mettre ces 4000 euros l'interface, voire même quasiment 8000 pour les prismes de ce qu'on a dans le bas. Donc, il y a l'échelle. La qualité continue, la qualité se paye toujours aussi cher aujourd'hui. Ouais. Donc t'es pas nostalgique de cette époque de la bande. De toute façon, maintenant les méthodes ont changé, on en parlait. On fait autrement. Les musiciens jouent plus comme avant. Il y a tout ça qui fait que. On peut s'échanger des fichiers plus facilement. Envoyer une bande par la poste, c'était quand même un peu pratique, galère. Ouais. Fallait que c'était une personne qui galère. Ouais, ouais. Faire du mastering pour aller aux États-Unis. Ouais, là, on peut quand même faire les choses. Alors c'est pas le fait d'aller plus vite, mais on peut. On n'a pas. Il y a un vrai côté à se prendre pratique. La tête, on envoie des choses à droite, à gauche, on peut récupérer des sessions, les gens peuvent. Alors, les gens jouent chez eux, personne ne se rend compte. La seule chose qu'on peut. Enfin, que je vais regretter, c'est quand même que dans un lieu comme ici, il y a 3, 4 cabines, on peut croiser des gens dans les couloirs.
voilà, oui, voilà, les musiciens se croisent et puis ah tiens qu'est-ce que tu fais, tiens bah viens, ouais. viens faire un coup de voilà, ouais, il y a voilà. L'échange, il y a l'interaction, ouais, voilà, alors que là maintenant ça se passe un peu différemment, ouais. C'est sur des forums, sur je sais pas quoi faire, ouais. Donc les gens se rencontrent moins, ouais. Ou à travers du Skype et tout ça, c'est quand même un peu moins le fun, ouais. Oui, c'est voilà, c'est bien. Voilà, c'est quand même ouais je pense que la chose qui va manquer qui manque maintenant, ouais. Et qui va en manquer encore plus, c'est que les gens puissent se parler comme ça. Et voilà, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. Donc on peut se parler par caméra interposée. Ouais. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus fun. Ouais, c'est pas évident. Bah pour boire des coups, non, c'est pas terrible. Ouais, bah oui. La fameuse bière en fin de séance, oui, je m'en souviens. Voilà. Alors du coup, on parlait des studios, donc ça a évolué. On va pas aller trop dans le passé, mais donc au jour d'aujourd'hui, on a. Ça me fait un peu mal de dire ça, mais bon, on sait qu'il va se passer des choses après, mais. Encore aujourd'hui, on a 3 studios, d'avoue. Donc alors, le A qu'on a un petit peu parlé avec son. Ouais, alors ça, alors, bon, déjà ça. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres choses. Je sais que bon, on va aller dans les détails, mais. Ah oui, alors il y a eu jusqu'à 4 cabines. Ouais. A, B, le B, ce B, ça a toujours été par ici. Ouais. D'accord. Et le C, ça a été sur un truc qui était loué à côté. Donc il y avait un endroit qui était qui faisait la moitié du cinéma, qui va ouais. À côté, c'était un donc il y avait le C, il y avait des bureaux au-dessus, enfin tout ouais. Un bazar et le D qui était juste en face. Ouais. Tout ça après ça un petit peu, et le M, le mixage voilà. Qui était à l'étage voilà. Qui était en haut, voilà, c'est ça. Et tout ça avait été fait par Tommy Lay, enfin c'était des acoustiques ouais, voilà. Après ça c'est quand Chamberlain a cédé le studio aux putis, enfin aux gens qui ont repris après la suite, ouais. Qui ça n'a pas duré longtemps. Il avait arrêté le bail et du coup il y avait donc une cabine en moins. Et puis tout a été un petit peu restructuré, à savoir que la cabine de mix qui n'était que du mixage, en fait est devenue une cabine où on pouvait mixer et enregistrer. D'accord. Et donc l'endroit qui était attenant à cette cabine qui était une réverbe naturelle tout en marbre. Voilà, ouais. En fait, est devenu une cabine de prise. Donc là, par contre, c'était vraiment intéressant. Parce au niveau du son, alors quand on a commencé à faire des batteries, ouais. Donc on avait un son de reverb gate, mais naturel. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'était assez. Puis ça continuait toujours à pouvoir faire une reverb naturelle. Oui, parce qu'au départ, c'était utilisé comme une. On en parlait ici, donc la boutique d'Avo au départ, c'était vraiment fabriquer son matériel et avoir ses propres reverbs. C'était ouais. Une chambre d'écho. Enfin, c'était fait pour ça au départ. Echo room, voilà. C'est vraiment ça. Mais justement, Chamberlain, qui avait été aux États-Unis, ouais. Un petit peu après avoir ouvert ici, en fait, il s'était un peu baladé. Il avait été reconnu un peu par ses pairs américains parce qu'il avait fait un truc qui s'appelait les double 6. Et il était un peu à l'initiative de ouais. re-recording, ouais. Comme on appelait ça. On appelait ça pas overdub, c'était du re-recording. Oui, bah oui, oui. Donc c'était un peu justement, ils étaient que 3, ils ont fait bon, enfin, tout le truc. Donc et ça avait bien épaté les Américains qui même eux étaient pas tous encore au fait du re-recording, ouais. Qui était un peu plus développé techniquement parce qu'ils avaient plus de matériel et bon. Et du coup il avait été chopé plein de trucs, il avait ramené des Pultec, un Fairchild, ouais. et du coup il avait ramené cette idée de Echo Room. Parce qu'il s'est dit, mais c'est quoi la réverb? Oui, oui, comment ouais, ouais. Donc, alors, les EMT, ça, ok, tout le monde connaissait, ouais. Mais la chambre d'écho, c'est encore un truc ouais, très particulier, parce ouais, qu'au ouais. Niveau du son, ouais. C'est quand même plus naturel. Et oui. Et donc, quand il te raconte que les séances de cordes qui étaient faites dans le A, ils branchaient la chambre d'écho naturelle ouais. Qu'il a ramené dans le A et que tout le monde faisait, waouh, c'est magique. Et, oui. Et là, il dit, mais rien que ça, il dit, moi j'ai bossé pendant 5 ans, les mecs ils venaient là, ils pleuraient, comme ça, et je veux enregistrer. C'était quand même... Et oui, c'était un truc incroyable. C'était quoi. Un truc incroyable. Ouais, ouais. Alors évidemment, ça paraît un peu désuet maintenant, mais ouais, à l'époque, c'était... Ouais, ouais, ouais alors, bon, c'est vrai que certains plugs, certains machins... Même si aujourd'hui on revient quand même à la recherche d'acoustique, on comprend bien qu'effectivement un lieu, une acoustique, a sa part de... De toute manière, si on enregistre une guitare acoustique dans les chiottes, elle va avoir un son de chiottes. Un son de chiottes, on est bien d'accord. Mais on peut très bien aimer le son de chiottes, ouais. Au sens où ça peut donner une couleur, il n'y a pas bien de... Bien sûr, ouais, ouais. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut effectivement mettre un micro dans les chiottes, voilà. Jouer la guitare dans la salle à manger, et après on peut doser un le son de chiottes. Peut faire un peu plein de choses. Ouais. C'est pas mal, son de chiottes. Donc on peut... Non, mais c'est... Enfin, si tant qu'on est acoustique, tant qu'on met des micros,
c'est super génial, mais on est vite tributaire du lieu. Alors, on a le choix entre des micros omni, cardio. Voilà. Du coup, on peut se rapprocher, s'éloigner. Voilà. On peut choisir un peu différentes choses. Donc, d'où l'importance d'avoir de super acoustiques, donc, ce qui a fait la grande réputation dans le plateau du A, comme on disait. Donc, cette salle de marbre, donc du C, donc il y a une cabine en face. Donc, on a le A, le B dans lequel on est, donc qui, lui, visiblement, n'a pas bougé. Qui est toujours, alors, le B toujours de... Thomas Hedley, je sais, ici aussi. Alors, le B de l'époque, il n'était pas du tout comme ça, mais c'était au même endroit. Oui, parce que le B était, je crois que le B, c'était en haut. Ça s'appelait, enfin, non, c'était pas ça. C'était dans cette zone-là. D'accord. Mais c'était au moins un tiers plus petit, la console dans l'autre sens, c'est plus 30, 20, 26 tranches. Ouais. Deux écoutes JBL, bien agressives de l'époque, là. Et un magnéto analogique 24 dans le coin, c'était beau, ouais, ça n'avait rien à voir. D'accord. Et après, évidemment, là, c'était les années 80, j'étais déjà là, je crois que c'était 84-85. D'accord. Où là, et tout pété et remis une console, peut-être celle-là, d'ailleurs. C'était la première, ouais, console, la cabine est comme ça depuis, elle est 86, je crois, un truc comme ça. D'accord, ah, donc elle n'a jamais bougé, ouais. Donc là, on voit effectivement, bon là, vous voyez peut-être pas, mais une acoustique super précise, on a bien la géométrie de la pièce, hein. Rien n'est fait au hasard dans un studio comme celui-là. On a des grosses écoutes, pareilles, qui sont un standard dans les studios. Ouais, alors ça, c'est toujours pareil. Ça, c'était, enfin, les grosses écoutes, c'était typique des années, on n'a qu'à dire, 80, aujourd'hui, 2000, tout on ça. Est moins... Aujourd'hui, on va moins s'en servir. Alors, c'est toujours impressionnant quand on commence à... Oui. À côté une rythmique, parce on met à... ça frappe, oui. Quand on met à 11, on arrive... on voit ça, se dit, oula. Voilà, alors bon, là, c'est un peu particulier, parce que le tweeter, c'est une chambre de compression, donc ça fait un son un petit peu sono. D'accord. Hein, mais au niveau du... Enfin, le rendu, les basses, ça, c'est sûr. C'est un truc, ouais, voilà. C'est impressionnant. j'imagine bien. Donc après la 4000, on a les écoutes, pareil, le couple, j'ai envie de dire... qui marche, même si on peut demander autour. Genelec NS10. Genelec NS10. Les fameuses NS10, voilà. Oui, les fameuses NS10, on peut dire ça. Parce que c'est pareil, ce genre de matériel qui arrive dans les studios, on ne sait jamais trop quoi, pourquoi, comment, comme le DAT, il y a plein de choses qui, au départ, étaient des choses qui n'étaient surtout pas professionnelles, et qui finalement ont eu un léger engouement au départ, et puis d'un seul coup, il y a eu... Mais la déferlante des NS10, il y a eu trois générations de NS10. Tu bosses là-dessus? Tu as des écoutes préférées ou pas forcément? Alors, j'avoue que pour checker le son de la batterie, s'il y a une paire d'NS10, je saute dessus. Ouais. Pour avoir le médium bien comme il faut. Ouais, c'est vrai que puis même sentir à relativement faible niveau, quoique. Ouais, oui. Hein, voilà, relativement faible. Enfin, en tous les cas, plus près, c'est bien de sentir un peu côté un poil agressif qu'on peut avoir dans les grandes écoutes. D'accord. Pour les basses, évidemment, c'est un peu délicat. Il faut avoir un petit peu une idée derrière la tête de regarder si le boomer il bouge beaucoup. Même si on ne les entend pas, il faut imaginer qu'il y en a bien assez. Oui, forcément, il y en a. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, si on fait bien les choses. Après, j'avoue que, effectivement, je vais travailler à 80% sur les Genelec 10-31. J'ai essayé plusieurs trucs. Non, j'ai pas réussi. Puis j'ai pas réussi à m'en passer trop. Donc même dans ma petite cabine, je me suis acheté une paire de 10-31. Ah ben voilà, comme quoi, d'accord. Alors j'avoue que sans faire de la pub, peut-être que je vais peut-être remplacer tout ça par des PSI. D'accord, ok. Des PSI 21. Ouais. Ça, j'avoue que ça, pour le coup, je retrouve je vais retrouver un peu une certaine couleur, mais une plus grande précision, ça, sans aucun doute. D'accord. Mais bon, c'est 20 ans après. Oui, voilà. Oui. C'est quand même Oui, ça peut fâcher pour à peu près 20 ans après. D'accord, D'accord, donc la 4000, pareil, quand on est. On suit les forums, on suit l'histoire des SSL, on sait que ton nom ressort beaucoup par rapport au fait, bien sûr, de tout ce qui se passe ici à Davout, qui a été les premiers, je crois. Dans les premiers, les premiers. Oh, c'est pareil. Dans les studios pro, dans les années 80. Ouais. Il y a eu la déferlante des 4000 et la déferlante des 33-24. Tout le monde a été équipé. C'était le truc standard, C'est devenu le standard. Après, bon, ça s'est un peu... Enfin, pas dissocié, mais chacun, après... Il y en a qui ont changé plus rapidement que d'autres, plus grand, tout ça. Mais tout le monde a eu à peu près le même parcours,
les 5, 6 studios où tout le monde se tirait un peu la bourre par rapport à ça. Ouais. Et après, la différence, ça a été le choix de Mitsubishi, qui ont eu un 32 numérique. C'était un super son, mais alors ça rembobinait, mais 4 fois moins vite qu'une machine analogique. Oui. D'accord. Donc, si tu attends. Enfin, tu vois, à un moment donné, au studio, tu aimes bien quand ça remonte. Oui. Hop, tu dis, rapide, ouais. on y retourne. Et instantanément, on y est déjà. C'est pour ça que le Pro Tools, ça. Oui, bah ça, c'est. Oui. A quand même, à peine on était arrêté qu'on était déjà reparti. Donc, ouais. Tu restes dans le flow de ce que tu es en train de faire. Quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord. Souvent, il y a des groupes qui arrivent et qui disent voilà, nous, on veut travailler live, on veut travailler piste à piste. Là-dessus, est-ce que tu. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, ils sont persuadés qu'ils peuvent jouer en live. Ouais. Parce que quand ils répètent tous ensemble. Et c'est une fois que tu commences à entendre le batteur, tu te dis, je ne suis pas sûr que ça va marcher tout en live. D'accord. Bah, oui. Et alors, bon, en même temps, ça dépend à quoi ça peut servir. Ou en tout cas, jusqu'où ça peut ne pas trop les desservir. Donc après, il y a l'idée de jouer au clic et de tout recaler. Alors, le clic, ça fonctionne que si le batteur il est nickel dessus. Ouais. S'il n'est pas nickel dessus, jouer avec et tout recaler. Ouais, en ce moment, on prend une boîte à rythme et ce sera plus simple, plus efficace, quitte à faire jouer le batteur à la fin. D'accord. Ah ouais. On passe par-dessus. Du coup, le batteur, il fait de l'accompagnement. Il a un peu devant, un peu derrière. On s'en fout, tout le reste est relativement solide. On peut garder même la grosse caisse qu'on a pu, je sais pas, dans la mesure où ils arrivent à reproduire ce que doit jouer le batteur. Faut pas que ce soit trop compliqué. Après, ça devient compliqué. Après, il faut vraiment programmer. Ouais. Et après, tu as un setup particulier sur la batterie Oui. Oui, bon, il y a... Effectivement, il y a... Quelle école Ouais. Alors après avoir fait effectivement essayer pas mal de choses, le setup un peu standard, ça va être ce qui va faire la différence entre le fait d'enregistrer sur la 4000 ou autre chose, c'est plutôt le choix des préamplis. Du coup, je suis plutôt parti sur des préamplis externes et GML. Ouais. Ça, j'avoue que c'est quand même ton Shure SM56, il sonne. Pas du tout pareil. Voilà. D'accord. Donc pied caisse, j'avoue que ça va être clair dessus, pied dedans. Donc plus sur le, je rebondis là-dessus, plus sur le choix du préamp que sur le micro ou c'est mélangé. Ouais, c'est mélangé deux voilà. Parce que j'utilise le D112 après avoir utilisé le D12, le D112, je pense que c'est un peu plus sympa. Ouais. Ça, c'est un micro qu'il faut travailler, mais ça, c'est pas mal. Bon, SM56 sur la caisse claire, ça reste un classique, dessus, voilà. Ça, et la grosse caisse, dedans, le D112 et le 47 FET à l'extérieur, que je mets toujours un peu, même maintenant, sans être trop persuadé que je vais forcément le garder. Ça rajoute des trucs. Il faut en avoir un, 47. Oui, alors après, on peut mettre... Alors les réductions, je sais pas si c'est le meilleur truc. Ouais. Oui, alors après, je pense qu'on peut mettre un peu un micro large membrane devant la peau, on peut trouver, mais qui ramasse pas trop, genre les 414 que j'ai en horreur. Ouais. Dès qu'on se rapproche un peu, c'est un micro qui compresse pas mal, du coup on finit par récupérer toute la pièce. D'accord. Donc même pour des voix, je sais pas, il y a des gens qui disent bien ça, mais franchement je trouve que ça a pas mal de soucis. D'accord. Après, alors si la pièce est plutôt sympathique, comme on disait tout à l'heure, c'est très bien, mais en tous les cas, il y a eu la mode du 414 sur la caisse claire. Alors là, t'avais tout, la charrette, tout, on passait le temps. L'arrivée, c'est pas forcément exploitable. Non, donc le coût du dynamique qui encaisse, Par contre, le coût du GML avec le SM56, franchement, ça donne des caisses claires. Même ça récupère alors, du gras de caisse claire, comme ça peut être gras de caisse claire. Oui, après. Alors après, j'étais vraiment persuadé que les 421 sur les tomes, c'était ce qu'il y avait de mieux. Ouais. Et puis là, je suis tombé sur les petits micros Sennheiser, alors là, je ne me souviens plus de la référence, les petits flexibles, les 900 quelque chose. D'accord. 17, oui, je pense pas. 907, 917, je ne sais plus trop. Ouais. Ça marche bien. Ça, par coup, c'est vraiment... Là, pour le coup, ils sont omnis. Mais comme on les met suffisamment près, d'accord. C'est pas mal. Alors là, c'est pareil, j'ai découvert d'autres préamplis. Et j'ai fini par les acheter là aussi. Parce que en fait, le son il tient. Bon, c'est quand même au moins 50%, voire un peu plus du préampli. Ah, oui, quand même, d'accord. Ah, ouais, le préampli, ça. J'étais pas persuadé en ayant
bossé beaucoup d'années avec ça. Ça me paraissait être plutôt pas mal. C'est assez typé, c'est bien. Oui, ouais. Ça va pas. Mais si tu as d'autres amplis, bon. Ça passe autre chose, quoi. Ouais, tout de suite, c'est d'accord. Ouais, surtout pour les cymbales. Alors après, pour les cymbales, c'est pareil. Je suis tombé un peu par hasard. Alors là, c'est étonnant. Les micros SE qui ressemblent aux 414. Ouais. Autant j'aime pas les 414, autant les SE qui sont des répliques des 414, ouais. Ils sont pas tellement en réplique, justement. C'est d'accord. Plutôt pas. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et puis alors là, pour le coup, le prix, je sais plus combien c'est la paire, mais c'est, c'est pas. Ça doit être 500 balles la paire. D'accord. Et pour des. Non, mais pour le coup, pour des micros qui sont vraiment. Pour les cymbales, l'ambiance, les overhead, plutôt que les cymbales. D'accord. Parce que je ne mets pas vraiment des micros de cymbales, c'est plutôt overhead, alors plus ou moins près. Ça dépend si le batteur a une flopée de cymbales, l'intérêt à se reculer. Ouais. S'il y en a moins, on peut se rapprocher pour être un peu plus précis sur les cymbales. Donc ça, voilà, ça c'est le kit. Alors évidemment que tant que je suis ici, mes préamplis, la sortie de mes préamplis, je les mets dans l'insert return de la console. Donc tu utilises bien la console à chaque fois. Donc j'utilise les EQ et je termine la balance. Alors même si la balance, je la fais quand même un petit peu au préampli, puisque je mets quand même mon fader de tranche, pas du moteur, le channel. Alors, tu rentres du préamp, je rentre dans l'insert. Donc tu mets d'accord. Donc tu joues vraiment sur le. Voilà. D'accord. Alors je fais déjà un niveau. Tu fais la balance sur le préampli. Ouais, peu importe s'il y a le bruit, t'en fous. Bon, généralement sur le batteur, généralement le batteur il joue à peu près de manière homogène, donc d'accord. Quand j'ai 20 dB sur l'un, alors je vois s'il y en a un qui je booste à 40, c'est qu'il y a un problème, mais généralement d'accord. J'ai à peu près un gain à peu près similaire. Bon alors après évidemment par rapport au niveau que je vais avoir, puisque là où on arrive un peu c'est dans le Pro Tools par rapport au pic, ce genre de choses, je vais un peu rectifier le tir, après au niveau d'écoute, enfin il y a des différentes choses un peu, surtout si on commence par la batterie. Oui. Donc il faut quand même garder un petit peu de niveau quand même, parce qu'on est très vite, on peut très vite se retrouver à des niveaux très bas à cause du fait que ce soit que des pics où il y a beaucoup d'énergie instantanée. Mais après, quand on va rajouter des guitares, on va avoir 10 dB d'écart. Donc il faut arriver à trouver un moyen terme entre il y a des pics, je me méfie, quand j'enregistre, j'en laisse passer quelques-uns. Parce que s'il y en a quelques-uns, ça va, c'est qu'on est quand même dans la bonne partie. Si c'est un pic à chaque coup de caisse claire, là, c'est se calmer. D'accord. Quand même. Ouais. Donc il faut arriver à trouver entre la compression. Alors après, je vais me servir effectivement de la compression de la console. D'accord. Donc, tu compresses à la prise du coup. Ah oui, ça. Ouais. D'accord. Ouais. L'idée, c'est de faire quand même. Tu fais le son. Prise, je fais le son que j'ai envie. D'accord. En sachant que je vais pouvoir remodifier. Si je commence à couper à moins 18, à 300. Je vais peut-être me méfier. D'accord. Mais si je fais des plus ou moins 3, 4, 5, 6 dB, si je creuse un petit peu, si je creuse la grosse caisse, c'est normal. Donc, un petit peu dans le haut, sur les cymbales du très haut, qu'on entend. L'idée, c'est de vérifier que dès que j'enclenche l'EQ, je ne vais pas rajouter 10 dB de bruit de fond ou trop de cochonneries. Dans ce cas-là, je vais en mettre un peu moins. J'en remettrai un peu plus par rapport à si vraiment j'en ai besoin encore après. Mais l'idée, je pars quand même, je suis de l'école où on est là pour faire du son. L'idée, c'est que ça sonne. Ouais. Il faut quand même qu'il se passe un vrai truc. Je ne vais pas attendre plus tard. Oui. D'autant plus que je ne suis même pas sûr que plus tard ça va marcher. Oui, ça sera pareil. De toute façon. Les problèmes sont les mêmes. Et quand même, je ferai remarquer, et je ne sais pas pourquoi, ou c'est la sensation que j'ai, mais le son que je fais à la prise, c'est en aucun cas celui que je pourrais faire après. D'accord. Ça, alors là. Et j'arrive pas à savoir si c'est une impression, parce que de toute manière, j'ai jamais pu retrouver. Mais alors là, ce que je fais à la prise, c'est forcément quelque chose que je pourrais pas. C'est pas aussi une question d'interaction avec le musicien sur le moment. Alors, peut-être que lui, il a dans le casque, il a des choses. Donc peut-être qu'il y a tout ça, mais en tous les cas, ce que je fais à la prise, si je refais exactement la même chose, il faudrait pouvoir enregistrer sans la correction, enregistrer avec la correction, enfin faire tout en parallèle, j'en sais rien. Et franchement, ça marche pas. C'est pas du tout la même chose. D'accord. D'autant plus que c'est intéressant. J'ai eu quand même la chance d'enregistrer assez souvent trois, quatre musiciens en même temps, même si on gardait pas tout, évidemment. Du coup, on peut quand même faire un son d'ensemble. Et ce qui est important, c'est de faire un son d'ensemble, faire le son de la batterie toute seule, avec plein de graves, plein d'aigus.
Et quand on va mettre les guitares, il n'y a plus de place pour personne, ni même pour la voix. D'accord, donc là, tu fais ton petit setup sur la batterie, tu le gardes dans le studio. Ah oui, oui. Tu fais intervenir les autres, en imaginant qu'ils travaillent piste à piste, comme ça se fait souvent. Ah, si. Et tu fais, tu ouais, progresses comme ça. Ah, bah, de toute manière, je demanderais, même si c'était piste à piste, je ferais malgré tout, je les ferais jouer ensemble, quitte à les enregistrer les uns après les autres. D'accord. Ah oui, donc tu ferais une trame quand même de enfin, live. Une trame, pas forcément de live, mais au moins qui s'entend, que dans les casques, il y a déjà un semblant de son de groupe. D'accord. Quitte après à n'enregistrer que la batterie, alors si on clique ou pas clique, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Après, enfin, de toute manière, il faut bien comprendre que si les musiciens sont enregistrés l'un après l'autre, il y a forcément le clic. Oui. Il faut qu'il y ait un repère à un moment donné. Voilà. Oui. Donc, s'il y a le clic, il faut savoir. Enfin, faut savoir. Il faut savoir jouer le clic parce que. Si le a priori, c'est plutôt le batteur qui va avoir le clic ou qui va être garant du tempo, donc du clic. Et s'il passe son temps à courir après le clic, oui, c'est pas grave. Ça va pas le faire. Hein. Mmh. Je le plains. Oui. Non, mais ça va être une épreuve pour lui et pour les autres après, parce que ils vont pas. Enfin, le tempo va toujours être légèrement fluctuant. C'est un petit peu devant, puis de temps en temps un petit peu derrière. Enfin, ça va être très compliqué à gérer après. Très souvent, dans ces cas-là, si toutefois. À un moment donné, je propose de jouer tout le monde ensemble. Ouais. Basse, batterie, guitare, enfin vraiment tout ce qui est la base du morceau. Et finalement, ils jouent comme ils jouent, on répète. Ils sont plus décontractés. Ouais, comme ils ont l'habitude, et voilà, quitte à on vérifie. Derrière. Ouais, quitte à faire des réparations après à l'intérieur. Je fais des drops à l'intérieur, avec les playlists du Pro Tools, je peux bouger. Même si je fais, je sais pas, le début du troisième refrain, qui était le break, n'était pas nickel. Même s'il n'y a pas de clic, évidemment, a priori, on ne peut pas le refaire. Et ben finalement, ils vont fluctuer de la même manière, donc on va pouvoir une playlist, je vais bouger un petit peu l'intérieur. Ouais. T'as fait ton setup de batterie, après pareil, donc tu gardais le setup dans le studio, on disait. Et après, tu continues au fur et à mesure, c'est-à-dire la basse, guitare. Donc là, t'as des setups particuliers. Bon, après, ça reste. Enfin, c'est autant que pour la batterie, ça reste dans le studio. Alors, c'est assez classique dans la mesure où on est ici, et la guitare. Voilà, un micro qui est pas mal pour la guitare, c'est le U67. D'accord. Ça, par contre, ça devient un micro un peu d'exception. D'accord. Parce qu'on mise beaucoup sur le SM57 aussi, un peu comme pour la caisse claire. Ouais, alors... Un micro du pauvre, alors, ou c'est... Non, c'est... Bon. Oui, alors... Il faut avoir le choix, c'est toujours pareil. Ouais, le problème, c'est ça. Quand tu l'as, oui, tu l'as. Alors après, je sais pas si je vais mettre vraiment autre chose. Alors, effectivement, si, bon... 57, 56, 57, comme ça. C'est pareil. Oui, effectivement, bon, le coût des deux micros, ça c'est... Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un micro, à la limite, des fois, on s'en fiche un petit peu, un statique, un petit peu décalé, pour récupérer un petit peu de la pièce. Mais alors, le souci, c'est d'avoir tellement de pistes que du coup, la phase entre tout ça, c'est pas tellement cohérent. Donc, après, il y a des petites boîtes pour récupérer la phase. Ouais. Il faut être assez vigilant avec tout ça. Même si on prend ne serait-ce qu'une boîte de direct, plus les micros, à la limite, si on décide de mettre des micros, je pense qu'on peut laisser tomber la boîte de direct. Ouais, d'accord. Franchement, quitte à mettre un seul micro, pas forcément collé, histoire d'avoir un peu de son, une bonne vingtaine de centimètres. Plutôt que, alors on peut se coller et mettre deux micros, machin, mais on peut se mettre plutôt pas... Parce que généralement, là, l'ampli est suffisamment fort pour que, bon, ça, on ne chope pas trop de la pièce. Hein, donc, Alors après, il y a par rapport à la basse, j'avoue que je suis assez partisan. Enfin, j'aime bien la DI parce que c'est un côté un peu précis. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça reste très précis, très clean. Ça peut manquer un peu de gras, mais franchement, ça dépend vraiment du type de musique. Hein. Ouais, d'accord. Là, j'avoue que... Pour l'ampli, je me force à chaque fois. D'accord. Ah ouais, d'accord. Alors par contre, là, je suis assez fanat du préampli Universal Audio, que au départ, j'avais un peu... Enfin, le truc en dessus, là. Qui est pas mal pour justement donner un... Alors, soit on peut avoir différents systèmes. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir au moins une tête d'ampli et de récupérer le son directement à la sortie de la tête d'ampli, c'est-à-dire à la place du haut-parleur. D'accord. Qui a essayé d'émulation ou d'adaptateur d'impédance, parce que là, ça commence à sortir du niveau. Mais le côté du HP, j'avoue que c'est intéressant, mais je suis pas un fan de chez FAM. Mais c'est pareil, ça dépend si c'est vraiment très saturé, qu'il y a vraiment et que du coup, ce qui sort du HP est inimitable. Ouais.
même si ça l'est toujours un petit peu, effectivement, on va préférer ça. Mais pour différentes raisons d'isolation, après, ça demande une infrastructure un peu différente. Ouais. Là-bas, c'est quand même... ça peut être le parent pauvre un peu de ce genre de choses, d'utiliser une l'ampli basse, c'est pas toujours aussi évident que ça. Hein. Et pour finir, parce que du coup, on est pris par le temps, au niveau de la voix, est-ce que... Alors, j'ai toujours l'élément un peu délicat. Ouais, alors, ce que je peux aimer comme micro, mais ça dépend un peu des voix, c'est que je reste quand même assez... Enfin, un peu fidèle au 149. Ouais. Alors, ça dépend des voix et des styles. Après, là, du coup, j'ai un peu découvert le... Je me souviens plus du numéro. Mais pareil, une réédition un petit peu moins chère, pour le coup. Un peu plus soft. Du coup, ça peut être un peu plus sympa. Et je reste quand même un fervent utilisateur, soit du GML, et surtout du Distressor. Ça, d'accord. Donc, ça reste mon compresseur fétiche qui peut... Alors, l'intérêt du Distressor par rapport à un panel de compresseurs, c'est qu'on peut émuler un petit peu des 1176, des LA2A, des BX, enfin des... Voilà, ouais, on ça, peut aller chercher suivant le réglage. En fait, le principe, si on lit la doc, parce que quand même, je vous invite tous à lire les docs au moins une fois, parce qu'au départ, on dit, ouais, franchement, on tourne les boutons, ça le fait. Des fois, c'est bien de lire la doc, et on a fait ce qui se passe. Ah tout, ouais, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça que celui-là, mais c'est pas... Que d'écoute était un peu à l'envers du truc, Donc, c'est... Alors, le Distressor, bizarrement, il fonctionne un peu à l'ancienne, où... C'est le niveau d'entrée qui fait le seuil, où le seuil et le niveau d'entrée sont liés, déjà, ça faut comprendre. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec des niveaux déjà à peu près, corrects, de manière un peu scolaire par rapport à un fumet, tout ça. Donc il faut quand même qu'il y ait un peu de niveau, mais pas trop, sinon on est au minimum. Et chaque ratio devient en fait une sorte de preset. Parce qu'en fait, les deux potards d'attaque et de release en fait, vont jouer un petit peu différemment suivant le ratio qui lui est un preset. Donc quand on se met en 10, il y a le mode opto, mais pas que. Quand on se met à 6, c'est plutôt du 11,76, donc 5 et 5, mais du coup on peut tourner autour. Donc il faut vraiment lire la doc, et il donne des idées de presets, donc il faut les prendre comme étant des presets de base. Donc on peut commencer par 5,5,5,5, mais après très vite, on fait tourner autour. Donc il faut quand même, comme tous les appareils, il faut un peu se les approprier. Voilà. Et une fois qu'on est un peu, qu'on s'en est un petit peu servi, un petit peu plus que de raison, du coup, c'est pas mal. Alors, il y a le ratio 1-1 sur la caisse claire, ça fait des trucs qui sont... Ça donne un claquant. Ça va pas bouffer la caisse claire, mais ça donne un claquant qui est incroyable. Alors après, je me méfie un peu quand même, parce que là, faut y aller un peu, mais... Enfin, moi qui aime bien la compression, tout le temps, à la prise, faut y aller. Par contre, c'est des choses qu'effectivement, là, pour le coup, on ne revient pas en arrière. Hein. Mais de temps en temps, c'est bien de prendre un peu des risques. On est là pour faire du son, on n'est pas là pour attendre que ça se passe et que ça sonne, peut-être. une question quand même que moi, je me pose. Alors, je vais essayer de me mettre à ta place, mais comment on se sent après 35 ans ici? Quand on se dit, dans peu de temps, il va falloir partir. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une évolution? Ouais, alors c'est pas... À titre, à la fois, peut-être au studio, c'est j'imagine que t'es pas le seul à être dans le truc, mais toi, d'un point de vue perso, comment tu te sens? Est-ce que... C'est un peu différent, suivant les personnes que je peux croiser ou les assistants qui travaillent aujourd'hui et qui ont... je sais pas quel âge ils ont, mais ils ont peut-être 25 ans, en tout cas, c'est... Oui. Donc, tout ça, eux sont là depuis 4-5 ans. Donc, c'est assez différent comme ressenti personnel. Moi, je ne vais pas dire qu'il y a évidemment un pincement de cœur dans la mesure où, au bout de 35 ans, le truc qui s'arrête comme ça et qui va être détruit. Ce n'est pas tellement s'arrêter. Oui. C'est le fait que le truc va être détruit. Tu ne pourras même pas dire à tes petits-enfants ou à je ne sais pas qui, tes potes, j'étais là, viens, on va voir comment je te montrais comment c'était. Et puis, rencontrer des musiciens. C'est ça qui est vrai. Sans rester dans l'histoire, mais en tous les cas, se dire, ce truc-là continue, il y a une vraie histoire de... Alors, est-ce qu'il y a une suite, d'avoue, ou pas? Alors, l'idée, c'est trop tôt pour en parler. L'idée, c'est qu'il y ait une suite. Ouais. La suite, évidemment, ça peut pas être dans les mêmes, dans un local identique, parce que
Ça, franchement, aujourd'hui, c'est plus possible. Au niveau, enfin, par rapport au prix de l'immobilier, c'est même pas la peine. Donc, l'idée, ça serait de toute manière de trouver un lieu et de s'orienter plus pour, enfin, pour l'image, la musique autour de l'image. Ouais. Puisque c'est quand même, bon, il y a le côté économique un peu de la chose. C'est vrai que la musique, pour la musique aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et puis, très, très, très souvent, que ce soit les artistes, les réalisateurs, les ingés, les gens ont leur propre matériel, leur propre studio. Ce qui revient à dire ce que je disais la dernière fois, enfin, il y a tout à l'heure. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout le monde va faire ses trucs dans son coin. Ouais. Et c'est comme ça. Ouais. Tout à l'heure, je pense que dans une dizaine d'années, il y aura quelqu'un qui aura l'idée de regrouper ça. De toute manière, c'est évident que ça va se regrouper d'une manière ou d'une autre. Mmh. Il y a des projets de la mairie de Paris, pour le coup, sur des lieux un peu résidentiels où il y aurait des studios de répétition, des studios d'enregistrement. Je pense que de toute manière, ça va se retrouver. Les gens vont rester à faire des trucs chez eux, mais ils auront probablement des endroits un petit peu conviviaux et peut-être gratos, ouais, avec un peu de chance, pour se retrouver. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais. Bon, les choses changent. Oui, c'est tout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est... Et puis, c'est en fonction de ce que les gens ont envie. Aujourd'hui, les gens ont a priori envie plus de se replier sur eux. La preuve, c'est que c'est ce qu'ils font. Ouais. Et qu'il y a moins de gens dans les grands studios, pour le coup. L'idée de Davout, c'est effectivement de probablement trouver... Alors, ce qu'il faut juste, c'est trouver un lieu qui nous correspond, qui nous intéresse, et effectivement de faire une installation qui sera évidemment un studio du son, mais du son axé sur l'image. Donc, voilà, vraiment développé. Comme il a toujours été au départ, j'ai envie de dire. Parce qu'au départ, c'était très musique de film. Alors, c'était musique de film. L'idée, de l'enregistrer la musique du film, je ne sais pas, la mixer et faire de la post-production, enfin bref, des choses comme ça, ça bien évidemment. Jean-Loup, merci. Bah écoute, à la prochaine. Pour ces conseils, à la prochaine, à très bientôt, on se reverra, il y a encore beaucoup... Malheureusement, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer des journées entières. En tout cas, c'est très inspirant. Je pense aussi pour beaucoup de monde qui m'ont vu cette vidéo. Ouais. Et puis, on se fera quelque chose de bientôt. On reviendra. Écoute, peut-être dans les futurs locaux. Nouveaux locaux, j'en sais rien. Ouais, on aura tous des locaux. On verra. On aura tous les nôtres. Ça marche. Jean-Loup, merci. Bah écoute. À bientôt. À plus tard. Ça marche. Salut.